Dans la Rome ancienne, la planète Mars symbolisait le sang et la guerre. Mais pour bien des gens aujourd'hui, la planète rouge serait la clé d'un avenir nouveau et radieux pour l'humanité. L'histoire de Mars commence il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsque le gaz et la poussière ont fusionné pour former la quatrième planète du système solaire. Mars est la deuxième plus petite planète de notre système solaire, avec un diamètre légèrement inférieur à la largeur de l'Afrique. Sa surface totale est en fait similaire à celle de tous les continents de la Terre combinés. Tout comme sa cousine terrestre, Mars est une planète dense à la composition rocheuse. En son centre se trouve un noyau composé de fer, de nickel, de soufre, qui pourrait avoir créé un champ magnétique de protection au cours des premières années de Mars. L'enveloppe du noyau est un manteau rocheux composé de minéraux silicatés et d'une croûte riche en fer. Ces minéraux de fer réagissent aux traces d'oxygène dans l'atmosphère et les rouilles de Mars donnent à la planète sa couleur rouge si reconnaissable. Sa robe sanglante a encouragé les Romains à nommer leur dieu de la guerre Mars. Pour nous, sa couleur rouille symbolise les milliards d'années écoulées depuis sa création. De nos jours, Mars est sèche, désolée et froide, avec des températures tombant jusqu'à moins 142 degrés. Mais il y a des milliards d'années, la planète était bien plus chaude, plus active géologiquement et possédait une surface aqueuse. Des lits de rivières et de lacs se dessinent sur la surface de Mars, indiquant que de l'eau liquide était présente autrefois. Des volcans comme Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, mesurant trois fois la taille du mont Everest, a même connu des éruptions de lave. Mais il y a environ 50 millions d'années, peu après la disparition des dinosaures sur Terre, les volcans martiens se sont également éteints. L'eau est aujourd'hui encore présente sur la planète rouge, mais principalement sous forme de calottes glaciaires. En raison de facteurs tels que la présence d'eau, certains scientifiques pensent que la vie a peut-être existé sur Mars et pourrait exister à nouveau. Depuis les années 1960, des programmes spatiaux du monde entier ont été lancés, des missions sur Mars pour tenter de comprendre le passé, le présent de la planète, afin de savoir si elle pourrait encore accueillir la vie. Le célèbre Elon Musk se concentre lui sur son futur, sans se poser cette question, visant une colonisation sans retour. La vie sur une autre planète pourrait bien être à notre portée dans un avenir proche. Mais si une seule planète était porteuse d'espoir pour la survie de l'humanité, ce serait Mars. Même si la présence de phosphine nous laisse à penser que Vénus pourrait passer en tête, l'atmosphère de Mars, ses conditions météorologiques y sont plus propices. Même si la planète rouge n'est pas faite pour l'être humain, des suppositions, simulations, projets visent sa terraformation. En bref, il s'agit d'adapter Mars sur plusieurs centaines d'années aux conditions propices à la vie humaine. Le procédé ayant le plus d'adeptes serait la panspermie, ou plutôt ce que j'appellerais l'humaspermie, qui consisterait à approvisionner la planète en algues et composés terrestres
pour raviver son atmosphère. Le voyage vers Mars porte en ce moment et plus que jamais son intérêt à travers le monde. Des rovers tels que Curiosity ou Perseverance ont été envoyés vers la planète rouge par tous les continents du monde, ou du moins en association avec les agences spatiales, mais aussi grâce aux 6 entreprises du milliardaire Elon Musk qui prouvent un peu plus chaque jour qu'il est capable d'aider la NASA à aller sur Mars grâce à son vaisseau Starship et ses réacteurs super puissants. Et c'est cependant, même avec toutes ces possibilités, un réel défi d'aller sur Mars. Pourquoi, me diriez-vous ? Difficile à relever car en effet, il faut tout d'abord prendre en compte le temps du voyage, entre 6 mois dans le meilleur des cas, et 2 ans, mais également la difficulté d'y faire atterrir un vaisseau. En effet, il était plutôt facile et pressé face à la concurrence de la conquête spatiale de poser un engin sur la Lune, mais la gravité sur Mars est beaucoup plus forte. Par conséquent, l'amartissage sera beaucoup plus difficile. Mais malgré ces difficultés, il est primordial que nous continuions nos efforts afin de nous poser le plus rapidement possible sur la planète rouge. En effet, le climat terrestre devient de plus en plus et de plus en plus vite toxique. Nous polluons et nous surconsommons, surexploitons les ressources de notre planète. Et même si nous arrêtions toute activité industrielle, prenons pour exemple un confinement radical universel, autant économique que sanitaire. Il faudrait plus de 10 000 ans à la Terre pour redevenir comme elle l'était à l'ère pré-industrielle. Autrement dit, peu importe ce que nous entreprenons pour sauver notre planète et l'humanité, la Terre deviendra invivable pour nous d'ici quelques siècles. Mais ça n'est pas faute d'essayer à y vivre plus longtemps, poursuivons aussi nos efforts écologiques. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques d'aller sur Mars d'ici peu. Cependant, l'hypothèse d'un voyage qui se passerait comme celui sur la Lune en 1969 est écartée. En effet, compte tenu de la durée du trajet, si des hommes vont sur Mars, ils y resteront certainement plusieurs mois, voire plusieurs années, ou définitivement. Ils y auront donc besoin d'une base, ainsi que d'un moyen de fabriquer du dioxygène vital pour l'espèce humaine. Des expérimentations sont en cours pour essayer de transformer le CO2 martien en dioxygène. Cependant, le procédé utilisé n'a jamais été testé hors de l'atmosphère terrestre. Nous ne pouvons donc pour le moment pas savoir s'il sera aussi évident d'effectuer cette opération sur le sol martien. Mais c'est sur la possibilité d'effectuer une telle opération que se pose la potentielle colonisation martienne. Qu'un autre frein qui pourrait retarder le voyage, la crise économique liée à l'épidémie de la Covid-19 qui nous touche maintenant depuis presque un an, engendre un point crucial, les financements. Les États préféreront sûrement investir leur argent dans d'autres secteurs que l'exploration spatiale, ralentissant les recherches et le développement du matériel nécessaire à une telle aventure. La nouvelle présidence américaine représente également un potentiel frein au développement d'une mission martienne. Je donne ici aucun point de vue personnel quant à celle-ci, mais en effet, le budget de la NASA sera certainement diminué et côté américain, nous ne pourrions compter plus que sur l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX. Désormais une entreprise puissante avec des moyens technologiques mais insuffisants pour ce saut. En effet, difficile d'imaginer un voyage vers Mars sans la participation de la NASA ou autre agence appartenant à d'autres nations. Finalement, dans chaque film de science-fiction, pour gagner contre les aliens ou pour quitter la planète telle que dans le célèbre film Interstellar ou Passenger, c'est l'humanité tout entière qui s'unit pour aboutir à sa réussite. Ce qui n'est actuellement pas le cas malgré nos souffrances sanitaires et économiques communes en cette année 2020, soit dit en passant. Cependant, SpaceX seul ne pourra pas faire grand-chose. Le but de Musk est de créer des fusées et des réacteurs capables d'amener des hommes sur Mars à bas coût, mais cela dans le but d'aider la NASA dans son programme martien. Il est en effet pour le moment inimaginable que SpaceX lance sa propre mission martienne et emmène, elle toute seule, des hommes sur le sol martien. Pourquoi Mars représente un tel intérêt pour les nations du monde ? Mars représente une solution de secours quant à la survie de notre espèce. Si jamais nous arrivons et allons assez rapidement, Elon Musk a annoncé qu'il poserait sa première base sur Mars d'ici 2030 et qu'il y aurait 1 million d'êtres humains sur la planète rouge d'ici 2050.
Vous remarquerez ainsi la volonté du milliardaire américain à mettre tous les moyens qu'il possède en œuvre pour atteindre ses objectifs le plus vite possible. Il n'est pas le seul à avoir cette vision des choses. En effet, il y a plus de 100 ans déjà, Konstantin Tsiolkovsky disait « La Terre est le berceau de l'humanité », mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau. Preuve que depuis que nous avons conscience de l'existence d'autres mondes habitables, nous avons la volonté de les explorer et de devenir une espèce multiplanétaire. Le voyage vers Mars n'est donc pas qu'une hypothèse pour sauver l'humanité, tout comme la possibilité de vie ou d'y vivre, cela se fera. De plus, c'est confirmé depuis longtemps, de l'eau liquide s'écoule dans les ravines et le long des parois des cratères à la surface de Mars, renforçant le mystère autour de l'existence possible de la vie sur la planète rouge. Mais les scientifiques ne savent toujours pas d'où provient cette eau, ni sa composition chimique, si elle permettrait d'accueillir la vie. En 2026, la NASA devrait placer en orbite autour de Mars une structure composée de modules inhabités et de panneaux solaires. Les premiers êtres humains rejoindront cet avant-poste 2 ans plus tard pour fonder ce que l'entreprise appelle le Mars Base Camp, un laboratoire et habitat spatial pouvant héberger 6 astronautes qui servira de porte d'entrée vers Mars pour les futures missions. Finalement, malgré des difficultés techniques qui le représentent, ce rêve d'homme martien se rapproche un peu plus chaque jour de son accomplissement. Ce n'est plus simplement un sujet de science-fiction. De plus, il y a un moment où cela deviendra pour nous une question de survie. Étant donné que la Terre devient rapidement invivable pour nous, car nous la détruisons petit à petit, nous devons prendre au sérieux l'hypothèse qu'une colonisation martienne, avec pour but de sauver l'espèce humaine, et je suis honnêtement pas contre l'idée de contempler un coucher de soleil bleu, tout en admirant les 2 satellites de la planète, Phobos et Deimos, passer quand bon leur semble dans le ciel étoilé. Or, cette vidéo vous semblera sans doute incomplète, pas assez détaillé. Il est vrai qu'il y a tant à dire sur Mars que ce contenu pourrait même durer quelques dizaines d'heures. Je reconnais l'excellent travail de Hugo Lisoire quant à ce sujet, et je vous recommande d'aller plutôt visionner ses vidéos. Néanmoins, je dois avouer que Mars est une planète qui me fascine. Elle est facilement observable à l'œil nu, et avec un bon télescope, vous pourrez en prendre des clichés stupéfiants.